Cette vidéo va vous montrer la démarche à effectuer pour mettre à jour le firmware de votre oscilloscope Tektronix de la série DPO MSO4000. Nous allons tout d'abord vérifier quelle est la version du firmware qui est installée sur votre oscilloscope. Une fois démarré, appuyez sur la touche Utility. Sélectionnez À propos d'eux. Nous allons commencer l'installation du nouveau firmware. Insérez la clé USB dans l'un des ports USB disponibles. Mettez votre oscilloscope sous tension